Capitaine, elle est surentraînée. Imposture, infiltration, extraction. Elle est des forces spéciales. Iten Versio. Escouade Inferno. Commandant Versio. Vous devez être importante. Regardez-moi. Venons-en au fait. C'est pour ça que je suis là. Vous avez le code d'activation. J'ai la possibilité de vous aider. Donnez-moi le code. Vous savez que vous pourriez nous être utile. Aidez-moi et je vous aiderai, c'est aussi simple que ça. Je finirai par avoir ce que je cherche. Mes meilleurs techniciens sont en train de pirater votre droïde, en ce moment. Acceptez mon offre. Tout ce que je veux, c'est le code. L'heure de l'Empire a sonné. Vous n'avez pas sombré avec lui. C'est vrai. C'est vrai que l'heure de l'Empire a sonné. Qu'est-ce qu'on a là? Un droïde tactique ID-10. Tu es bien plus avancé que l'ID-9. Ça va pas être facile de te pirater. Puis-je suggérer une procédure moins intrusive? J'aimerais bien, mais je n'ai pas le code d'accès de ce droïde. Puis-je vous suggérer de trouver le code d'accès? Le capitaine y travaille au centre de détention. En attendant, le seul moyen d'accéder aux données de ce droïde est d'en extraire le noyau mémoriel. L'analyse montre que cette ID-10 a été modifiée à l'aide d'un aiguillon à électrochoc. Ça ne servira à rien si le droïde est désactivé. Tant qu'il n'aura pas entendu son code d'accès, cette ID-10 ne bougera pas. Laisse-moi travailler en paix, s'il te plaît. Bien compris. Je garderai le silence en attendant que vous ayez fini de détériorer cette unité tactique ID-10. Droid, exécute le plan. Télécharge les plans du vaisseau depuis leurs terminaux, puis retrouve-moi. Par le système de ventilation. Trouve autre chose.
recevez. Bien reçu, commandant Versio. Timing est parfait. Je me dirige vers le centre de communication. Merci. Quand j'aurai trouvé et détruit le message impérial volé, je donnerai le signal d'extraction. Droïde, ouvre la cellule. Eh, hey, ça suffit. Tu ne sortiras qu'après l'opération Endor. On verra à ce moment-là ce qu'on fait de toi. En attendant, tu t'assois et... On ne suit pas le protocole habituel. On aurait dû détruire leur vaisseau. Ça aurait soulevé trop de questions. Pour ce travail, mieux vaut être discret. Je comprends, commandant. J'ai besoin d'un piratage. Ici l'amiral Akbar. J'appelle l'indéfectible. Vous avez maintenant connaissance de la balise qui dirige les vaisseaux de l'Alliance vers le système Galam. Avec cette ruse, nous détournons l'attention de l'Empire de Sulust. Nous réunissons la flotte pour attaquer Endor. Rejoignez-nous. Nous avons besoin de tous les vaisseaux disponibles. Les rebelles pensent toujours qu'on n'est pas au courant pour Sulust. Ils n'ont aucune idée de ce qui les attend sur Endor. Et il faut que ça continue. Si les rebelles décryptent la transmission avant que je la détruise, tous nos plans tombent à l'eau. À toi de jouer. Ça y est, on met le cap sur Sulust pour rejoindre le reste de la flotte. J'ai reçu les coordonnées du capitaine. Préparez l'hyperdrive. On en est où avec cette transmission impériale? On a presque plus de temps. Moi, j'y retourne pas. Scanner. Envoie l'électricité. J'ai atteint le centre de communication. Supprimer le message déclenchera l'alarme. Soyez prêts pour l'extraction. Bien reçu. Pour la dernière fois, ne me dérangez pas. Ce chiffrage impérial est très complexe. J'essaie de le décrypter, mais si je dois tout le temps m'interrompre, je risque pas d'y arriver. J'ai localisé le message crypté. Les rebelles ne pourront plus rien trouver. Allez, allez. Agent Ask, allez, c'est le moment. Commencement des préparations. Je prends un blaster et je me rends au point d'extraction. Sur. Le Corvus y sera. Thank you.
Allez, lance un piratage. Commandant, sur le pont. Repos. Mission accomplie, commandant. Mais sans aucune perte. Vous ne serez pas commandant aujourd'hui. Oh, je suis patient. Je peux attendre. Agent Miko, vos calculs de saut étaient parfaits. Merci, chef. L'atterrissage n'était pas trop brusque. J'ai connu pire, comme l'expédition sur Jabez. Je suis pas prêt de l'oublier. Contactez l'amiral. Bien, commandant. Et le message? La position de la flotte est toujours secrète. Aujourd'hui, la rébellion ni réactivé. Donc notre station de combat est vulnérable. Éliminez les rebelles et retournez sur le Corvus. Il faut surtout pas que le plan de l'Empereur échoue. Bien, à vos ordres. Ask, suivez-moi. Del, vous nous couvrez. On y va. Une cible, droit devant. Allez, suivez-moi. Compris, commandant. Quelle est la situation ? Dites au général Solo que ça pourrait prendre un moment. S'il y a quoi que ce soit de récupérable, on le trouvera. Mais il y a eu beaucoup de dégâts. Et un paquet de débris à trier. Attention, commandant. Une cible en approche droit devant vous. Et l'autre qui patrouille près de l'épave du marcheur. Bien vu, agent. On prend le relais. Ok, il y en a forcément d'autres. Les commandements rebelles ont déjà dû s'en aller. On devrait y aller aussi. On est près de la plateforme 4. Est-ce qu'il y a une navette ? Non, que des chasseurs TIE. C'est encore mieux. On ferait mieux d'être prudent. On sait pas combien il y a de rebelles ici. Non, on s'occupera d'eux comme on s'est occupé des autres. Aujourd'hui, on éradique cette vermine une bonne fois pour toutes.
On se reprend, agent. On se recueillera plus tard. Pour l'instant, il faut vraiment qu'on bouge. Avec vous, commandant. Nous devons atteindre la plateforme 4 et récupérer ces chasseurs TIE. C'est notre seule chance de rejoindre le Corvus. Agent Miko, vous partez devant. Oui, commandant. Ouais. Agent As, contactez les viscérateurs. Je dois m'entretenir avec l'amiral. Bien, commandant. Je vous mets en communication. Amiral, l'escouade Inferno évacue Endor. Quelle est la situation? Le vice-amiral Sloan a ordonné la retraite. Quittons le système. De regagner votre vaisseau. Survivez. J'avais les coordonnées du point de rendez-vous. À vos ordres. Comme nous aurons atteint le Corvus, nous vous rappellerons. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Le piège était parfait. Quelqu'un s'est trompé. Le haut commandement a ignoré une information cruciale. Encore. Non, il y a forcément autre chose. Les rebelles étaient moins nombreux et moins bien armés. C'est simple. L'Empereur a sous-estimé la force de l'ennemi, et nous en avons payé le prix. Commandant, je... Puis-je m'exprimer librement? Je vous l'accorde. Je sais qu'on est entre nous, mais ça prouve la trahison. Regardez le ciel, Ark. Ce n'est pas une trahison, si c'est vrai. Commandant, j'ai une embuscade rebelle en visuel. On a perdu une navette et nos hommes sont débordés. Continuez, agent. Nous verrons ce que nous pouvons faire. Je répète, CSTT à terre. Je suis repéré. Couvre-moi.
êtes à nous. Direction l'ascenseur. On se retrouve en haut pour récupérer ces TIE. À vos ordres. Reçu. Commandant, contact sur la plateforme. Les ennemis sabotent nos vaisseaux et nous empêchent de fuir. Descendez-les et sécurisez les chasseurs TIE pour notre fuite. Suppression extraction. J'ai vraiment hâte. Coordonnées du ralliement à l'amiral. Commandant, je capte des signaux de vaisseau à l'extérieur du champ de débris. Il y a des impériaux ? Très peu. La plupart se sont repliés ou ont été détruits. Et le destroyer stellaire de l'amiral ? L'éviscérateur s'est positionné près du Corvus. Il semble être en parfait état. Au moins, Ask n'est pas seul sur le Corvus. On va peut-être s'en sortir, finalement. Agent Ask, nous approchons du Corvus. Statut des moteurs ? Système d'injection ionique à 60%. Je redirige l'énergie des boucliers pour faire redémarrer les moteurs. Commandant, chasseur en approche. Les bombardiers ! Défendez le Corvus ! Il n'a pas de bouclier ! Opérationnel, commandant. Juste à temps. Agent Miko, rejoignez le Corvus. Je vous suis. Commandant Versio, dites à votre vaisseau de se replier. Et rejoignez-moi sur l'éviscérateur. Chef. Ordre confidentiel, commandant. Je vous brieferai personnellement. Bien, amiral. Escouade Inferno, l'amiral et moi, nous vous rejoindrons plus tard. Compris, commandant. Thank you.
Vous vouliez me voir, amiral ? Approchez. L'empereur est mort. Qu'allons-nous faire maintenant ? Nous allons riposter, commandant. L'Empire va s'attaquer à la fondation même des convictions pathétiques des rebelles en leur propre force. Alors, Eden, qu'est-ce qui leur donne une telle force ? L'espoir. Correct. La présence de ce messager est un grand honneur. Un honneur que je veux partager avec ma fille. Amiral Versio, le moment est venu de commencer l'opération Cendre. Résistance, rébellion, sédition. Nous ne saurions laisser ces concepts persister plus longtemps. Vous êtes l'une des nombreuses flammes qui permettront de réduire en cendres ces idées dissidentes. Suivez mon messager. C'est lui qui vous conduira jusqu'à votre cible. L'opération Cendre est le tout dernier souhait de notre cher empereur. Mais aussi le premier pas vers un futur stable. Inferno est essentiel à sa réussite. Quelle est la cible, monsieur ? Vous n'êtes pas habillé. Cette information attendra. Pour l'instant, voici vos prochaines missions. Elles sont singulières. Mais nous vivons une époque singulière. Allez, commandant. Faites notre fierté. Dans le cadre de l'opération Cendre, nous sommes envoyés au chantier naval de Fondor. Agent Ask, vous et moi, nous récupérons des satellites expérimentaux pour le destroyer stellaire Dauntless et assurons la sécurité du Moffrett. Agent Miko, le Corvus est à vous. Commandant, nous contrôlons les satellites. Beau travail, agent. Le Moffrett a informé l'amiral que l'opération Cendre peut se mettre en marche. Attention, attention. Protéger ce destroyer stellaire. Vite, interceptez la corvette ennemie. Sur votre position. Agent Miko, attaquez ces vaisseaux rebelles. Oui, commandant. Le Corvus est à l'approche. Ne la lâchez pas. Forceur de blocus détruit. Commandant Versio, ici le Moffrett. Des canons ioniques rebelles ont désactivé le Dauntless. Commandant, nombreux transports rebelles en approche du Dauntless. Ces transports ? Ils veulent voler mon vaisseau. Abattez-les avant qu'ils ne m'atteignent. Vous m'entendez ? Compris. Chasseur, en formation sur les transports rebelles. Empêchez-les d'aborder le Dauntless. Je les abattrai. Attaque, transport est mis en cours. Il fait une manœuvre d'esquive. Détruisez-le avant qu'il puisse aborder. Le Dauntless doit rétablir son alimentation. Nous devons détruire ces canons ioniques rebelles. Bien, commandant. Après, nous devrions exterminer les rebelles. Sauf votre respect. Une fois les systèmes en ligne, vous devriez partir avec les satellites. Comme un lâche ? Certainement pas. Agent As. Chasseur ennemi en approche. Commandant, je suis pris en chasse. Chasseur ennemi à 017. J'arrive.
Donnez-moi une fenêtre de tir. Je vais la tirer dans la station. Commandant Versio, il est toujours là. La voie est libre, commandant. Allez au hangar. J'aborde le vaisseau ennemi. Agent Ask, rejoignez-moi à l'intérieur lorsque vous en aurez l'ordre. Jusque-là, couvrez bien vos fesses. Oui, commandant. Absolument. Ça fait partie du plan, ça? Accrochez-vous à quelque chose! Droïde, les boucliers!
Amiral nous a demandé de localiser une installation impériale secrète sur la planète Pilio, un endroit appelé l'Observatoire. Apparemment, l'Empereur y aurait entreposé des artefacts qui pourraient être utilisés contre nous. En raison du danger qu'ils représentent, l'Amiral souhaite un déploiement minimal. Une escouade, un seul agent. Tel, en temps normal, j'accomplirai cette mission moi-même. Mais vos compétences techniques pourraient s'avérer utiles pour pénétrer dans le bâtiment. Allez-y, localisez l'Observatoire et détruisez tout ce que vous y trouverez. Doit cacher quelque chose de spécial. Tu restes ici, R2. Leurs scanners ont sûrement dû nous repérer. Ce n'est pas ce que je voulais. Il y a quelque chose là-dessous, c'est contre nature. C'est ce qui m'a appelé. Peut-être était-ce quelque chose d'autre. Il y a bien que je ne suis pas le seul à vouloir me débarrasser de ma vie. Qui êtes-vous ? Je t'ai entendu appeler. Tu avais l'air d'avoir besoin d'aide. Oui, c'est vrai. Vous pensez pouvoir me sortir de là ? Ne bouge pas. Je sais qui vous êtes. Pourquoi vous m'aidez ? Parce que tu me l'as demandé. Non, 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 ça marchera pas. Ça, oui. Non, attends! Certaines histoires sur les Jedi. Quand j'étais petit sur Coruscant, ils me terrifiaient. Mais vous... Ah, vraiment. Il faut qu'on travaille ensemble si on veut sortir d'ici.
Tu cherches quelque chose. Moi également. C'est la force qui nous a réunis. C'est un coup de chance. La chance n'explique pas tout. Ah oui, la force. C'est ça qui vous a permis de tuer mes hommes ? C'est grâce à ce sabre laser. Je suis désolé. C'est ce que je pensais. Alors pourquoi ne pas m'avoir tué ? Ils ne m'ont pas laissé le choix. Toi aussi. Les insectes ! Protège-moi et je te protégerai. Oui, j'ai pas vraiment le choix. Pourquoi ces trucs nous attaquent ? Ils sont en colère. On est chez eux. Cette ambre, on dirait du béton. Il durcirait presque au toucher. Ça se brise aussi au toucher. C'est là. Se rapproche de l'observatoire de l'Empereur. Alors c'est pour ça que tu es là. Ne vous en faites pas. Je suis là pour le détruire. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière cette porte, mais ces bestioles n'ont pas l'air d'aimer ça. Il n'y a rien sur cette porte. Comment je suis censé l'ouvrir ? Avec la clé. Pourquoi l'Empereur aurait-il une pièce qui s'ouvre uniquement à l'aide de la Force ? À ton avis ? Vous insinuez que l'homme qui a détruit l'Ordre Jedi en était un aussi ? Non. Je dis que le petit garçon que vous étiez était effrayé par les mauvaises choses. Il n'y a rien de dangereux là-dedans. L'Empereur ne protège que des vieilleries. Ça ne vaut rien, tout ça. Peut-être pas tout. C'est quoi, ça ? J'aimerais garder cette boussole, si tu veux bien. Ma mission est de détruire cet endroit. Pourquoi je vous laisserai faire ça ? Parce que je te le demande. Merci. Je ne t'empêcherai pas de détruire cet endroit. Et tu ne crois pas que l'Empire a déjà fait assez de mal comme ça. Je suis content qu'on nous ait réunis, Del. Alors c'est quoi le plan ? On s'en va chacun de notre côté et on fait comme si rien de tout ça n'était arrivé ? Je ne crois pas que tu puisses. Je ressens un conflit intérieur. Bien sûr que j'ai un conflit intérieur. Je ne suis pas aveugle. Je sais de quoi l'Empire est capable, mais... Que nous reste-t-il ? Un choix. La rébellion ? Non. Le choix de devenir meilleur. Que la Force soit avec toi. Ravi de vous revoir, Agent Miko. L'amiral a ordonné l'extraction d'un allié impérial sur ma planète natale, Vardos. La cible est la tutélaire Gleb, une fonctionnaire qui a autrefois formé l'agent Ask et moi-même. J'ignore le lien avec l'opération Cendre, mais je dois faire confiance à l'amiral. Rendez-vous sur Vardos. Dauntless. Le vaisseau qu'on a secouru sur Fondor, qu'est-ce qu'il fait là ? On dirait qu'il livre son chargement. Il transportait tous ses satellites. Le Moffret a dit qu'ils étaient nécessaires pour l'opération Cendre. Mais il a refusé de nous donner la cible. Oui, tout comme l'amiral. Je sais pourquoi maintenant.
Les satellites sont alignés, chef. Bien, excellent. Je ne vous ai pas appelé, commandant Versio. Est-ce que Vardo, c'est notre cible? Oui, effectivement. Pourquoi? La planète et tous ses habitants, ils sont loyaux envers l'Empire. Ce sont les ordres de l'Empereur. Nous devons purger cette planète ainsi que plusieurs autres afin de répandre la peur et de rappeler à la galaxie tout entière qui commande. Il s'agit de notre foyer. C'est l'Empire, notre foyer, tu m'entends? Et nous nous en tiendrons aux ordres de l'Empereur. Je refuse d'obéir aux ordres d'un homme mort. Peut-être, mais en attendant, c'est à moi que tu obéis. Activez les satellites immédiatement. Mettez-vous en route pour Vardos immédiatement et récupérez la tutélaire Gleb. C'est votre seul et unique objectif pour l'instant. Ce sera tout. Voilà. Ce sera tout. Contactez l'agent Ask sur le Corvus. Et dites-lui que je dois lui parler au plus vite. Récupérer. On y va, Gleb. En plus, elle me donne des ordres maintenant. C'est adorable. Wow, reculez. Tu reviens avec moi. Les autres ont qu'à rester là. Ils sont pas importants. Allez. Commandant. Il y a un vaisseau sur la plateforme 2. Vous y serez en sécurité. Allez-y, vite, courez. Wow. Qu'est-ce que vous faites? Stop. Nous devons nous en tenir aux ordres. Tout va bien, on vous emmène loin d'ici, en route. Non, vous ne pouvez pas... Je suis votre commandant, je vous ordonne d'arrêter. Nos ordres sont très clairs. On nous a demandé de récupérer la tutélaire Gleb et elle seule. Mais les choses ont changé. Regarde un peu autour de toi, enfin. Est-ce que c'est ça l'Empire qu'on a connu? Belle, je t'en prie, ne fais pas ça. Le rôle de l'Empire est de protéger les civils d'offensives telles que l'opération Centre. Nous obéissons au Nouvel Empire. Si c'est ça, le Nouvel Empire, alors je refuse d'en faire partie. Je répondrai aux ordres de mon supérieur direct. Ce sont vos ordres? Est-ce que ce sont vos ordres? Parce que si c'est le cas, c'est une trahison! Est-ce que ce sont vos ordres? Oui. Et j'ai aussi les miens. Baisse ton arme. Ton indiscipline causera ta perte.
Vessio et l'agent Nico ont abandonné la mission. Ils ont trahi l'Empire. Je suis désolé. Je vois. Ramenez-moi Gleb. Ceci est votre mission. Je m'occuperai personnellement des deux traîtres. Il y a un passage souterrain de l'autre côté de la place. C'est notre porte de sortie. Je suis avec vous, commandant. Ne tirez pas. S'il nous repère, on est fichu. Soldats ont trahi l'entrée. Ouf, on a eu de la chance. Allez, il faut entrer dans le passage. Pirate-le. Il faut atteindre le Corvus et quitter l'espace impérial. C'est notre seule chance. J'ai bien entendu votre père. Ils abattront le vaisseau en plein vol. Reprenez-vous, agent Miko. Sur le Corvus, il y a des civils qui comptent sur nous. On n'a plus accès aux fréquences impériales. Le Corvus ne saura même pas qu'on arrive. On trouvera un moyen. On peut neutraliser les systèmes anti-aériens droit devant. Il y a beaucoup de soldats là-haut. Des marcheurs déploient des soldats dans le secteur. Restez à couvert. On va s'emparer d'un TBTT. Les unités se rendent au secteur 9-S. Occupe-t'en. Voilà le marcheur. Les canons sont assez puissants pour traverser les turbos laser anti-aériens. Exactement. Et en détruisant les antennes de visée, nous désactiverons toutes les défenses AA. Grille-moi ça. Connectez-moi au Corvus. Commandant, j'ai les civils que vous avez envoyés au vaisseau. Bien, verrouillez le Corvus. L'agent Ask va envoyer des hommes pour le capturer. Oui, commandant. Je suis avec vous, quoi qu'il arrive. Faites attention à vous. Marcheur en vue! Je vois des canons anti-aériens. Je m'en occupe. J'ai mal à croire que l'amiral soit prêt à aller aussi loin. Il ne fait que suivre ses ordres. Ses ordres ne sont pas justes. Les nôtres ne l'étaient pas non plus. Nous devons emmener les civils loin de Vardos. Et ensuite? Il faut d'abord qu'on sorte de l'espace impérial. Ensuite, on élaborera un plan. Là, l'antenne de visée principale. En la détruisant, nous neutraliserons toutes les tourelles du secteur. Détruisez-la, je m'occupe de l'accès au Corvus. Vous avez entendu le commandant, allez!
Amiral Versio. Agent Ask au rapport. Mission accomplie, Amiral. Toutes mes félicitations, commandant Ask. Bon. On n'est pas complètement seul. Une partie de l'équipage est restée avec nous. Elle a protégé les réfugiés contre ceux qui voulaient les tuer. Comment vont-ils ? Choqués, perdus, mais en vie. Ils s'inquiètent pour la suite. Il faut qu'on prévienne quelqu'un. Prévenir qui ? Les rebelles ? Non. Non, ils nous jetteraient dans la prison du Zénith avant qu'on ait pu dire le moindre mot. C'est pour ça que vous devriez prendre le Corvus et vous en aller. Laissez-moi un chasseur TIE, j'enverrai un signal de détresse. Et j'attendrai que les rebelles me trouvent. Vous pensez vraiment que je vais vous laisser tout seul ici à dériver dans l'espace ? Tel. Nous sommes l'escouade Inferno. Vous et moi. Raider Impérial Corvus. J'envoie ce signal de détresse à l'Alliance Rebelle. Nous nous rendons. Contactez le général immédiatement. Donc tu t'es dit que c'était un piège, mais tu les as quand même fait monter. Tu passes ton temps à me dire de prendre des risques. Ça m'a semblé être la chose la plus irresponsable à faire. Excellent. Bonjour. Je suis le général Lando Calrissian. Et j'imagine que vous devez être les déserteurs impériaux dont on m'a tant parlé. Général, nous avons déjà dit à vos hommes tout ce que nous savions. Allons faire un tour. Très bien. Qu'est-ce que c'est ? Une mauvaise idée. J'ai fait un pari. Shreve pense que vous êtes des espions impériaux. À votre avis ? Je crois que vous avez peur. Et que vous êtes en fuite. Écoutez, vous nous avez renseigné sur l'opération Centre. En échange, je vous offre deux chasseurs, rien pour vous. Attendez, vous nous laissez partir ? Bien sûr, changez de vie. Trouvez un endroit sûr. Un endroit où vous pouvez nous surveiller ? Nous avons d'autres préoccupations. On vient d'apprendre que l'opération Cendre va frapper Naboo. Vous devez l'arrêter. Je pense qu'on peut y arriver. C'est faux. L'Empire est en train de changer, et ses méthodes aussi. Dans ce cas-là, pourquoi ne pas venir avec nous ? Aidez-nous à sauver Naboo. Nous ne sommes pas là pour rejoindre la rébellion. Personne ne vous le demande. C'est une chance unique. Vous pouvez partir maintenant ou nous aider à arrêter ça. Vous nous laisseriez nous battre à vos côtés ? Que voulez-vous ? Je crois sincèrement aux secondes chances. Venez, je vais vous montrer vos vaisseaux. On ne sait même pas comment piloter un X-Wing. Rien de compliqué pour les forces spéciales. C'est quoi les options, Eden ? Alors, quelle est votre réponse ? Lando, vous ne pouviez pas mieux tomber. Ici la princesse.
princesse Leia Organa. Information sur ma position. Lando, protège la princesse. On se charge des satellites cendres. Je suis derrière vous. Oh, mais j'en doute pas. Seulement si l'un d'entre vous tente un truc, je la bats sur le champ. Vous pensez vraiment y arriver? On ne m'appelle pas leader danger pour rien. Je détecte une signature thermique sous les satellites centraux. Ce doit être le noyau d'énergie thermique. Alors c'est là qu'il faut concentrer nos vies. Ici Danger 5, satellite abattu. Il nous en reste plein d'autres. Allez, en avant! Danger 5, Danger 6, n'oubliez pas que vous visez des chasseurs TIE maintenant. Bien reçu. Merci de nous le rappeler. Sur votre position, leader Danger. Ouais, on est avec vous, Shrimp. Très bien. On va rappeler à l'Empire à qui il a affaire. Joli tir, commandant. Oh, oh! Elle n'est pas commandant dans mon unité. Il reste des satellites à abattre. On va se charger du dernier. Vous, occupez-vous de ce destroyer stellaire. Les renforts clés sont là. Les bombardiers Y-Wing. Protégez-les. Concentrons nos tirs sur les boucliers du destroyer stellaire. Hé, hey, vous ne donnez pas les ordres ici. À toutes les unités, nous devons concentrer nos tirs sur les bombardiers du destroyer stellaire. Un groupe de TIE vise nos bombardiers. Interceptez-les. Formation d'escorte. On va les aider. Vous pouvez attaquer. Tous les autres, repliez-vous. Ça sent pas bon. Je suis le seul à voir ce destroyer stellaire brûler. Le protocole impérial est de se mettre à l'abri dans un endroit sûr. Ces vaisseaux se dirigent droit sur Tide. Ils vont s'en prendre à la ville. Que tout le monde rejoigne Tide aussi vite que possible. On ne sera que quatre. Quelqu'un sait y faire avec les machines? Oui, moi. Suivez-moi. Tide a un système de défense. Ce système nous permettrait d'arrêter l'Empire. Mais la tempête a endommagé les relais d'alimentation de la ville. Nous devons les réparer pour pouvoir l'activer. On va se séparer, puis réparer les relais. Quand on aura fini, on se retrouvera au palais. Compris. Ouais. Compris. Qu'est-ce que nous activons? Quelque chose qui arrêtera l'Empire. Quel est votre nom, soldat? Del Nico. Del, des renforts impériaux convergent vers ce secteur. On peut les arrêter, mais il faut que vous réactiviez ces relais. À vos ordres. À moi, maintenant! Sécurisez la zone. Cet endroit doit être sûr. Entendu. Restez là. Je nous protège. Éliminez-les! Faites-les sortir de là! Marcheur abattu! Il faut contre-attaquer! On a pratiquement réactivé un autre relais.
rapidement. Je suis complètement sous l'eau. J'ai besoin de plus de temps. J'ai confiance en vous, Steve. Ça fait plaisir à entendre. C'est bon. À vous de jouer, Dale. Je m'en occupe. Princesse, mauvaise nouvelle. On est coincé par un bipode de surveillance. On ne peut pas rejoindre votre position. Maintenez-le occupé et restez en vie. Vous ne serez en sûreté qu'une fois l'impulsion ionique lancée. Bien sûr, princesse. Tous au palais. Dale va entrer et déclencher une impulsion ionique. La reine avait pris des précautions avant la guerre des clones pour préserver Naboo des invasions. Une impulsion ionique qui neutraliserait toute la menace autour du palais. Pas si on est dans le palais. Les forces impériales se dirigent vers le palais. Résistez aussi longtemps que possible. À toute l'infanterie rebelle dans le secteur, protégez le palais. Bombardier, à terre. Ça avance. Les protocoles de sécurité sont étonnamment complexes et obsolètes. On gagnera du temps, mais pas beaucoup. Ne vous en faites pas, princesse. Ça suffira. Bouclier en place. Pas monter. Tenez-les à distance des portes et continuez à tirer. Lancement de la séquence de détonation. Entrez dans le palais. Bonjour, Votre Altesse. Vous avez fait du beau travail, mais je n'en attendais pas moins de la part de l'escouade Inferno. Sénatrice Organa, ça faisait longtemps. Bâtir une république, c'est beaucoup de travail. Tout comme traquer sans relâche une flotte impériale. Mais ça ne va pas s'arranger, commandant. J'ai besoin de vous. Un de nos généraux a disparu. J'ai retrouvé sa trace sur Takodana, mais il ne répond à aucun de mes appels. J'aimerais que vous retrouviez Han Solo. Serre-moi une autre part, Kellan Sling. Pas tant que tu m'auras pas payé celle que tu viens de boire. Allez, tu me connais depuis le temps. Justement, c'est pour ça que je me méfie. Où est mon Wookie? Chewie répare le Faucon. Le communicateur longue portée a pris un sacré coup sur Joe Mark. Ça fait un bon bout de temps qu'il n'est pas venu ici. C'est parce que tu le rends nerveux. Je sais que vous préparez quelque chose tous les deux. Dis-moi ce que c'est. Tu sais très bien que toutes les affaires passent par moi.
Je dois rencontrer un ancien impérial. Il dit qu'il peut nous aider à libérer les Wookiees sur Kashyyyk. Tu connais cet homme ? Fais attention. Si jamais à cause de toi l'Empire est attiré devant ma porte... T'en fais pas, tu sais que je couvre toujours mes traces. Allez, quoi, accepte de me donner un coup de main. Fais ça pour Chewie. Je ne connais pas cet homme. Mais il est tard. Et tu vas voir que ma clientèle peut parfois être assez bavarde. Merci, Maz. Je t'en dois une, tu sais. Tu m'en dois bien plus que ça, Han Solo. Surtout, tâche de ne pas l'oublier. Et pourquoi ? Pour se faire virer et atterrir ici ? Roddy, content de te voir. Écoute, mon vieux, je recherche un ami, un certain Paldora. Tu peux m'aider ? Après que tu m'as laissé en plan pendant la mission Zerka ? Pas question ! Allez, tout s'est bien terminé. Enfin, je pense, vu que t'es là. Dégage ! T'as qu'à trouver Paldora tout seul. Vous pourrez comparer la taille de vos barbes. Ah, donc il est barbu. Compris. Je peux vous fournir toute la laine de Mouniac. C'est étrange, tu ressembles à un ami à moi. Il s'appelle Paldora. Tu me confonds avec cet abruti qui boit du Merenzan Gold ? Il a de quoi se payer un verre de Merenzan Gold ? Ouais, ça fait envie, pas vrai ? Han Solo ? Je suis Rassus Paldora, spécialiste impérial. Ravi de vous rencontrer, enfin. Chut, pas si fort, enfin. Ah oui, c'est vrai, c'est un rendez-vous incognito. Allez, il faut qu'on vous sorte de là. Bizarrement, la plupart des statisticiens sont tués par des apprentis. Pour ça. Des amis à vous ? Laisse-moi deviner, je suppose que c'est ta faute. Ouais, comme d'habitude. Rappelle-moi quelle est ma règle numéro un, Han Solo. Pas de bagarre. Bon, allez, il faut qu'on bouge. J'ai caché le premier cube de données dans un générateur juste là. Vous pouviez vraiment pas avoir les données sur vous, hein ? Monsieur Solo, je suis un agent double. Je ne peux pas avoir ce genre de données sur moi. Cette cantina est pleine. Des Stormtroopers. Pas un bruit, on va les neutraliser. Non, ça, c'est votre travail. Ce blaster est purement décoratif. Je n'ai jamais appris à tirer. Ah, super. L'amiral veut qu'on retrouve le traître. Souhaitez-moi bonne chance. Impressionnant, Han Solo. Vous devez avoir de bonnes infos pour qu'ils envoient autant de soldats après vous. La situation de l'Empire est plus grave qu'on peut le croire. Ils ont peur que la République s'en rende compte. La flotte consomme plus de carburant pour éviter vos attaques qu'on ne peut lui en fournir. Un officier impérial sur 148 se rend et demande asile. Le nombre de nos chasseurs a baissé de 3,4%. Super intéressant, mais caché dans tout ça. Vous êtes sûr que vos informations peuvent aider les Wookiees ? Ça vous mènera tout droit sur leur planète. Qu'est-ce que la République prévoit de faire ? Pas grand-chose. Mais Chewie et moi, on fera faire messer comme travail à nous deux, s'il le faut. Ah oui ! Le puissant Chewbacca ! J'ai hâte de le rencontrer. Ouais, en lourd impérial ! Chewie, prépare le faucon, il faut qu'on puisse le faire vite.
Hé, faut dire que ces journées n'est pas si mal, en fin de compte. De se faire démembrer. Général Solo, c'est Iden Verso qui vous parle. Cette fois, l'Inferno va vous aider. Bon sang, ce que je suis content de vous voir. Qu'est-ce qui vous amène, commandant? Vous, général. C'est la sénatrice Organa qui nous envoie. Je retire ce que j'ai dit, Chewie. C'est le pire jour de toute ma vie. Que Mass soit en ligne. Je ne veux pas lui parler pour l'instant. Han Solo. Tiens, salut Mass. Tu m'as dit que tu couvrais toujours tes traces. Et maintenant, il y a des vaisseaux au-dessus de mon lac. Je peux tout t'expliquer. Je m'en fiche. Nettoie-moi ce bazar. Je sais bien que ce n'est pas ta faute, Chewbacca. Général. Concentrons nos tirs sur ce croiseur, vous nous suivez? Allez, on va l'envoyer voir le fond du lac. Oh, ça ne va pas du tout faire à Maz. Espoir d'Inferno, suivez-moi! Un chasseur ennemi se dirige vers le général Solo. Je le vois! Les torpilles à protons sont armées! Excessif, mais efficace. Cargo est tracté 1300 et une belle machine, mais son hyperdrive est 1,22 fois moins fiable que celui du modèle 2400. Oui, fais-le sortir de mon cockpit. Non, attendez, je me tais. Vraiment que c'était le dernier, Solo. Je t'avais dit que je m'en occuperais. Fiche-moi le camp. Allez, fiche le camp. Joli tir, général. On va vous escorter jusqu'à la flotte. En fait, j'avais autre chose en tête. Chewie vous envoie les coordonnées. Bien compris. On se retrouve là-bas. Mais surtout, faites bien attention. Ne t'inquiète pas. Tu ne peux pas te débarrasser de nous aussi facilement. Elle est à vous, commandant. Non, sérieux, Dale. Je sais pas ce que t'as fait à ce droïde, mais il y a un truc qui cloche. Je l'ai réparé, c'est tout. C'est pas ma faute s'il t'aime bien maintenant. Escouade Inferno. Shreve, on ne s'est pas revu depuis que Lando vous a confié cette mission. Vous allez bien? À merveille, sénatrice. Vous vouliez me parler, commandant? D'après les informations de Paldora, il faut croire que mon père aurait mené des opérations sur Bespin et Sulust. Je vous demande la permission de le traquer, ainsi que de l'arrêter. Vous n'êtes pas sous mes ordres, Dale. Il est fort probable que le commandement désapprouve une mission à caractère personnel. Ah, eh bien... On ne peut pas laisser un amiral impérial renforcer sa flotte, n'est-ce pas? J'apprécierais que vous l'arrêtiez, commandant. Oui, à vos ordres. Et que la force soit avec vous. Mon père ravitaille sa flotte à la station Chinook depuis des mois. Notre vieil ami Ask supervise l'opération. Si on arrive à le capturer et à arrêter la station, ce sera un sérieux coup dur pour l'Empire. Sans oublier que Ask pourrait enfin nous permettre de retrouver l'amiral. Si on a de la chance. Ce n'est jamais une simple question de hasard. Wow! Regardez un peu tous ces belles dots. Je trouve ça mignon d'étudier la faune d'une planète avant de la visiter. Et s'ils produisent le gaz Tibana dont l'Empire a besoin, les Beldons, ce sont une priorité. Si vous le dites,
Vous savez, si on peut trouver votre père et l'arrêter, ce sera un grand pas vers la fin de la guerre. Je sais que ces derniers mois ont été difficiles, mais nous l'aurons cette fois. Je le sens. Ça, je n'en doute pas. Mais je me demandais ce qui allait se passer après, quand la guerre sera finie. Honnêtement, je n'y ai pas beaucoup réfléchi. L'entraînement impérial ne vaut pas grand-chose dans le secteur civil. Et vous ? Moi, je voudrais voyager. Parcourir la galaxie. Lothal, Mikapo. Vous y êtes déjà allé ? J'étais soldat à l'époque. J'aimerais revoir ces mondes libres. Je crois que c'est une très bonne idée. Voilà la plateforme d'atterrissage. On devrait pas repérer nos vaisseaux ici. Masque dans la tour du protecteur au niveau supérieur. Il va nous falloir un turbolift pour y arriver. Le droïde a dit qu'il y en avait un devant, gardé par une escouade de Stormtroopers. Viens, suivez-moi. Comme toujours. Envoie de l'électricité. Je crois que j'ai une idée. Vous allez détester. Ok, la tour sera notre point de rendez-vous. D'ici là, essaie de pas te faire repérer. Ta nouvelle peinture risque de pas leur plaire. Restez pas planté là, soldat. Allez, en avant. Tenez-vous près d'elle. Ask n'est pas du genre à se laisser faire. J'ai déjà hâte d'y être. Eh bien, ça rappelle des souvenirs. Peut-être, mais pas les bons. La tour du protecteur est droit devant nous. Ask doit se trouver au sommet. Je ne pensais pas que la station serait aussi animée. L'Empire est en déroute. Ses ressources s'amènent. Bavarde pendant le service. J'admirais simplement la puissance de l'Empire. Les rebelles n'ont aucune chance. C'est bien. Il paraît que le blocus commence à céder. Les vaisseaux arrivent à passer dans tout le secteur à Noël. C'est de la faute du gouverneur. Droïde, nous sommes à la tour. Tu es prêt? On se retrouve en haut. Où est-ce qu'ils sont tous? Fantasie, Brenna, que ce serait aussi simple. Ask. Nous avons détecté le Corvus à l'instant où il a franchi le blocus. Je m'occuperai de toi personnellement. Mais j'ai des responsabilités et vous éliminez tous les deux. N'en faites pas partie. Au revoir, Idel. Non, on ne peut pas le laisser filer. Ce destroyer stellaire, ça doit être Ask. Tant pis pour le plan. Attention ! Vite, Del ! Quittez la plateforme ! Les soldats sont trop nombreux sur notre position. Et maintenant ? Ask n'était qu'une partie de la mission. Vous voulez encore saboter l'opération de ravitaillement ? Comment on va s'y prendre ? Il nous faut des vaisseaux.
Les X-Wing sont de l'autre côté de la station. Nous avons perdu le contact avec l'escouade de la tour. Donc soyez prudents. Dispersion. Le commandant Ask veut qu'on les trouve. Neutralisation. Droit devant. Pile ce qu'il nous fallait. Soldats lourdement armés, repérés. Et s'en vont. Oh, pitié. Maintenant, trouvons ce vaisseau. Ça. Une voiture des nuages? C'est un vaisseau. Oh, d'accord. Quand j'ai dit qu'on avait besoin d'un vaisseau, j'aurais dû être plus précise. Elle a des armes. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Que ce ne soit pas une voiture des nuages. Plateforme de ravitaillement, droit devant. Et trois destroyers stellaires. Que nous allons faire sauter. Vous savez quoi, vous aviez raison. La voiture des nuages, elle n'était pas la meilleure option. Non, 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 réfléchissez. Il nous suffit de détruire les cellules combustibles. Et l'explosion entraînera une réaction en chaîne. Exactement. Qui remontera jusqu'à ces destroyers stellaires. C'est la chose la plus folle que j'ai jamais entendue. Ça vous plaît? Ça me plaît! Commandant, j'ai repéré une voiture des nuages qui s'approche de votre destroyer. Ce truc est branché sur les communications impériales. Ça fait au moins un point positif. Sigma 1-2, en mouvement pour interception. C'est sûrement une simple livraison, mais on ne sait jamais. Bien reçu, commandant. Voiture des nuages n'est pas là pour une livraison. Abattez-la, 1-2. Toutes les unités à ma position. Voiture des nuages rebelles à 0032. Abattez-la. 1-2, arrêtez ce vaisseau. On perd des cellules à combustible. Notre flotte a besoin de ce gaz Tibana. J'essaye, commandant. Mais il est rapide. On a eu des renseignements sur un entrepôt impérial abandonné sur Sulust. L'amiral Versio prévoit d'y aller et d'y récupérer une cage d'armes. Mais on va les récupérer les premiers. J'ai demandé de l'aide pour y parvenir. Shrieve, vous vous battrez au sol avec le général Calrissian. Sécurisez ses armes et appelez-nous pour qu'on vous escorte. En aucun cas, mon père ne doit mettre la main sur ses armes. J'ai compris, t'as un mauvais pressentiment. Le contraire m'inquiéterait. Les hommes de l'amiral Versio n'étaient pas censés être là. Il faut appeler Eden pour une extraction. Allez, détends-toi, il n'y a qu'une unité. Tout ira bien. Et si c'était pas le cas? Turbo laser? Cet endroit est plutôt bien protégé pour une cage d'armes abandonnée. Ça alors, je t'amène pour avoir de la compagnie, et je me retrouve avec un stratège. Fiche-moi la paix. Je connais bien Sulust. J'ai aidé à la libérer, tu te souviens? Ça expliquerait pourquoi l'Empire est encore ici. Ok, ok. Regarde cette vieille chaîne de montage. L'Empire s'en servait pour construire cette TBTT. Wow. C'est coincé. Impossible d'entrer. Si on allume la ligne d'assemblage, ça devrait nous permettre d'entrer. Rame dans ce cockpit. Eh ben, ça va être... formidable. Allons-y. Tu peux pousser? Ta cape me bloque la vue.
Je sais. Tu n'as aucun sens de l'espace personnel. Mais j'ai un style incomparable. T'as vu ça? Ce complexe n'est pas abandonné. Il tourne à plein régime. D'accord. Donc on s'empare des armes et on arrête l'usine. C'est ce que t'as dit quand on est allé chercher Han Solo dans le palais de Jabba. On trouvera un moyen, comme d'habitude. Rien ne se passe jamais comme prévu quand t'es dans les parages. Là, c'est le terminal central. On peut s'en servir pour couper l'alimentation de l'usine. Mais il faudra d'abord passer ces Stormtroopers. Allez, toi et moi au cœur de l'action. Dis-moi, Fernand. Ça ne me manque absolument pas. On est arrivé. On a de la chance. Tu es sûr de ce que tu fais, n'est-ce pas? Oui, j'en suis sûr. Intrusion détectée. Verrouillage de l'usine enclenché. Joli. J'ai juste cru que c'était un interrupteur. Ok, changeons de plan. Cet endroit marche à la lave, non? Oui. Pourquoi? Qu'est-ce que tu comptes faire? Improviser pendant que tu nous trouves un moyen de transport. Quelque chose qui m'éloignera le plus possible de toi. Pas lave, pourrait nous être utile. Je ne sais pas ce que c'est, mais j'aimerais autant que ça ne nous tue pas. Bien, voyons ce que fait cette chose. Rendement des pompes à lave à 200%. Débordement imminent. Problème réglé. Tu vas inonder l'usine de lave? Non, la désactive. Avec de la lave. Et pour les armes, Iden veut les récupérer pour la République. Je m'excuserai plus tard. On ne peut pas laisser ces armes à l'Empire. Ça me suffit. Jib, t'as trouvé un véhicule? Plan E, rejoins-moi à l'arrière, près de la chaîne de montage. Hé, regarde, je suis encore en train de prendre un gros risque. Jib, si j'osais, je t'embrasserais. Hé, bouge, c'est moi qui conduis. On va bien s'amuser. Dirigez-vous vers la navette. Amenez-nous en hauteur. Qu'est-ce que je peux faire? Appelle Iden. Dis-lui de venir nous chercher. Avec plaisir. Iden, il faut qu'on y aille. Super. Combien d'armes? Zéro. Il semblerait qu'elles aient fondu. Mais alors, qu'est-ce qu'on transporte? Un Duros désespéré et un humain avec une cape ridicule. J'ai été très clair sur les paramètres de ce Iden ? Iden, est-ce que vous êtes là ? Je l'ai perdu. Qu'est-ce que c'était ? C'était le son de mon plan qui marche à la perfection. Thank you.
marcheur puisse voler, on n'a plus de solution. Si je meurs ici, je serai content que tu meurs aussi. Ça va, je te remercie. Tu vois ? Je t'avais dit que c'est vrai. Détruire cette usine a eu plus d'impact que ce que l'on pensait. L'amiral Akbar appelle tous les vaisseaux de la République à se rendre sur Jakku. Toute la flotte impériale s'y trouve, excepté l'équipement qu'ils auraient dû recevoir de Sulust. Je suppose que mon père sera également de la partie. Mais sa capture n'est plus une priorité. Cette bataille pourrait mettre un terme à la guerre. Joignons-nous au combat et aidons de notre mieux. Carabast. Je capte des signaux de détresse. Il y en a trop pour les compter. Del, le Corvus est à vous. Couvrez les airs. Shriv et moi, on va aider au sol. Attendez un instant. Iden. Reviens sain et sauf. Faites en sorte de préserver le vaisseau. Hé, hey, Shriv, j'espère que tu survivras aussi à cette mission terriblement dangereuse. Oh, merci, Del. Ton amitié compte aussi énormément pour moi. Alors il nous faut une frappe orbitale. Où sont vos macro jumelles? Quand on s'est replié ici, on a perdu les jumelles en chemin. Shriv et moi irons les chercher. Restez là et tirez pour nous couper. Trouvez Shriv. Escouade Inferno au commandant de Starco. Demande de frappe orbitale. Si le commandement de Starco. Inferno, frappe orbitale autorisée. Marquez votre cible et nous ferons feu.
D'autres impériaux arrivent. Ça marche, escouade Inferno. Rapport vital réussi. Le deuxième TBTT est à terre. C'est tout ce qu'on peut faire, commandant. L'unité Starhawk doit bouger. C'est tout ce qu'il nous fallait, Starhawk. Merci, vous avez sauvé de nombreuses vies. Inferno, on se replie vers la zone d'évacuation. Par ici ! Gal, sortons le capitaine Linsen d'ici. J'arrive pour vous récupérer, commandant. Il faut qu'on bouge. Renforts impériaux. Avec plaisir, capitaine. Bonne chance là-bas. Shreve, retour au vaisseau. Commandant, on a un problème. Votre père, il nous a trouvés. L'amiral envoie des bombardiers à la poursuite du Corvus. Ils devront d'abord se débarrasser de nous. Éliminons-les. Bien, commandant. Bombardier détruit. Je vais chercher mon père. Iden, il n'en vaut pas la peine. Je dois y. Maintenant, partez. Très bien. Retraite!
Très bien, Del. Je vais trouver un moyen d'entrer. Vous et Shreve, suivez l'autre signal de détresse. Quoi ? Idem, non, pas question. Nous revenons vous chercher. Négatif, c'est un ordre. Droïd, désactive la ligne. Idem, non. Allons-y. Il faut qu'on sorte mon père de ce vaisseau avant qu'il s'écrase. Il est toujours là. Amiral, l'heure de l'Empire a sonné. Vous n'avez pas à sombrer avec lui. C'est une tentative de sauvetage. Je me dois de refuser. Vous pouvez tellement partir. Rax aussi préférerait que je parte. Mais ma place est ici. J'ai voué ma vie entière à cet empire. Je me suis battu pour sa gloire. Difficile de croire que c'est tout ce qu'il en reste. Tu as vu la faiblesse de l'empire. Et tu as refusé de la laisser te dévorer. C'est ce qui t'a rendu plus forte. C'est pourquoi tu partiras d'ici sans moi. Tu mérites de t'en sortir. Non, je ne le mérite pas. Mais toi, Siliden, tu mérites de vivre dans un monde en paix. Va-t'en. Protège-toi. Et vis ta vie. Il faut que je rejoigne Del. Il faut que j'y arrive. Droïde m'a dit que vous étiez toujours en vie. On dirait bien. J'en suis ravi.
Bon, suivez-moi. Faut que vous voyez ça. Attendions votre venue depuis un moment. Amenez-moi au prisonnier. Bien sûr. Suivez-moi. Voilà. Si tu voulais louer mon vaisseau, il suffisait de demander. La carte menant à Skywalker. Tu sais où je peux la trouver. Je vois pas de quoi tu veux parler. Où l'a-t-il emporté? Je ne te dirai rien du tout. Tu crois que ce vaisseau peut te protéger, te sauver? C'est faux. De quoi tu veux parler? Porte un toast à l'amiral Versio.
Impossible. On se recueillera plus tard. Idem Vertuo. Il était suffisamment brave pour vous deux. Première arrivée, dernière partie. Elle t'a mené à ta perte. Tu es l'âge de naissance. S'adapter ou mourir. Tilioran. Tu es déjà venu ici. Tu as trouvé quelque chose. Tu as trouvé la foi. Les Jedi. Pourquoi m'avoir aidé? Tu me l'as demandé. Vardos. Là où ta famille a été brisée. Bajora! La carte est à Bajora! J'ai ce qu'il me fallait. Armes. Et pourquoi? Pour devenir père. Pour être livreur sur le Corvus. Tu sais, Iden m'a peut-être trahi, mais toi, Adel, tu m'as laissé tomber! Tu m'as abandonné. Tout le monde change, pas vrai? Hein? D'ailleurs, regarde-toi. Ne te lance pas à sa poursuite. Ça finira mal pour toi. Alors, le projet Résurrection peut donc continuer comme prévu? Au contraire, Gleb. J'ai fait appel à vous, car vous m'avez été utile par le passé. Nous avons reconstruit votre foyer et autorisé le service de sécurité Chinata à contrôler le système. Et en retour, vous avez pris du retard et permis à un élément extérieur de découvrir notre plan. Il s'agit d'une simple erreur, je vous assure. Mes hommes ont déplacé l'opération sur Pilio et nous doublerons, non, triplerons nos efforts sur Atula. Bien, je laisserai quelques-uns de mes hommes avec vous afin de m'en assurer. Pensez à enterrer Delmico et son équipage. Mais ne touchez pas au Corvus. Vous savez qu'elle va venir le chercher. C'est bien ce que j'espère.